Salut, salut! Alors aujourd'hui, c'était pas prévu, mais je vous reviens avec un haul lookbook try on. On va dire ça comme ça parce que je vais essayer les habits et je vous dirai ce que j'en pense. Comment je peux faire du coup? Je peux m'y occuper. Oh merde, elle est en train de manger. J'ai commandé en fait sur un site, j'ai un site qui m'a contacté. Alors le site, il me semble, si je me trompe pas, attendez parce que. Ouais, alors le site, il se prénomme Shelley. Voilà, Shelley. Ouais, Shelley. Shelley. Et en fait j'avais commandé ça, ils m'avaient contacté en me disant ce que je voulais commander des vêtements. Je connais pas du tout ce site, j'ai regardé les vêtements, ils avaient l'air super beaux. Donc j'ai fait une petite commande, je leur ai donné ce que je voulais, ils m'ont envoyé le colis. Mais en fait quand je leur ai donné le lien de ma commande, je n'ai pas eu de réponse. Donc je pensais que j'allais pas les recevoir. Et finalement en ouvrant ma boîte aux lettres aujourd'hui, j'avais un petit carton avec des vêtements. Donc je vais vous faire ça. Alors par contre comment faire pour donner mon avis sans essayer les habits, puisque je vais les essayer après la vidéo. De quoi? Comment je vais faire? Tu donnes ton avis? Ah, physiquement, la texture et tout? Ouais, je vais donner mon avis sur la texture et dans le try on, je vous ferai soit ça. Comme ça, vous saurez si finalement je trouve que c'est joli porté ou pas. On va faire comme ça parce que sinon il va falloir que je parle, je présente, je coupe, je fasse le try on, etc. Donc ça va être une misère pas possible. Donc je le ferai après et je le rajouterai. Au milieu. Voilà, ne faites pas gaffe à mes cheveux, j'ai pas les cheveux gris. Alors en fait il s'est passé que j'ai voulu mettre du shampoing sec. J'ai acheté le shampoing sec pour les brunettes. Et vous savez pour les brunettes il est censé être marron, mais en fait il est gris. Il est gris hein. Parce qu'en fait je pense qu'ils ont mis de la couleur foncée avec le talc blanc. Enfin le blanc, donc du coup ça fait du gris. Et parce que j'ai les racines, donc je me suis dit je vais mettre du brunette aujourd'hui. Et finalement ça m'en a mis partout, j'ai l'impression d'avoir les cheveux gris. Mais c'est juste une impression, c'est pas mes cheveux, j'ai pas fait de teinture, je n'ai rien fait du tout. Allez, on y go, je suis toute bronzée parce que je reviens de vacances, c'est très moche, merci, je pèle. La totale. Allez, on va commencer avec ça, je me rappelle même plus ce que j'ai commandé. Donc si celle-là va découvrir avec moi et elle est en train de manger son avocat sur mon lit, pleine de sauce, donc j'ai peur. J'ai très peur. Alors cette jupe, je me rappelle, j'avais commandé une jupe comme ceci parce que j'adore les jupes comme ça et je n'avais jamais trouvé une jupe... Enfin, non, j'avais jamais trouvé une jupe longue. J'en ai des jupes comme ça, mais pas longue jusqu'au bout. En fait, elle est toujours transparente. Non, elle est toujours transparente au niveau des cuisses. Et en fait, elle est nouveau. Ouais, la transparence commence toujours au niveau des cuisses. Donc moi, je voulais vraiment que la jupe elle soit en. Je vais vous montrer comme ça jusqu'au bout en fait. Donc j'ai commandé cette jupe qui a l'air transparente parce que je vois la lumière à part. Donc à essayer. Mais c'est une jupe comme ceci, voilà, qui est l'effet danseuse, vous savez, danseuse étoile. Donc la texture, ça va, elle a l'air pas mal. Par contre, elle a l'air transparente parce que je voyais le ring. Mais à voir, je vous dis ça dans la petite vidéo. Mais la texture, ça va. C'est pas une texture de fou, mais ça va. À voir porter si ça me grossit ou pas. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Je me rappelle plus du tout. Mais j'ai vraiment commandé des trucs de plage, quoi. J'ai commandé des trucs de plage, je les ai reçus après les vacances. Un pareo. Un pareo. Un pareo. C'est un pareo. Non? Je pense que c'est un pareo. Je pense, je me souviens plus. Tu crois que ça a l'air d'être un pareo? Ouais, en fait, c'est un pareo. Et que vous mettez, je pense, autour de la taille, je verrai. Tu crois? Un pareo robe. Ah ouais, je crois que c'est un pareo en fait qu'on met ici là. Ouais, je crois que je me souviens, c'est un pareo qu'on met ici. Ouais, ouais, et on a le dos nu, ouais, 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 c'est ça. Je vais pas vous laisser avec un maillot de bain, hein, vous faites pas de film surtout. Et je pense qu'elle est nue, voilà. C'est un pareo, mais il est super joli. Ouais, il est super joli. Même la texture, texture de pareo, ça a l'air pas mal quoi. Alors, qu'est-ce que c'est? Déjà, j'en ai plus beaucoup. Je sais pas du tout, je me souviens plus. Je crois si c'est un peu comme ça. Une robe. Ah, elle a l'air belle en plus. Putain, monsieur, j'ai pas pu la mettre en vacances. J'espère que je vais repartir un jour ou deux par-ci par-là. Ah, elle est canon. Regarde. Déjà, ça, j'adore. Même la couleur. Et en fait, elle est longue comme ça jusqu'au bout. Celle-là, je pense. Ah, elle est trop bien. Même la texture touche. Hein? Mmh. Elle a l'air trop belle. J'espère qu'elle va m'aller. Hein. Ouais, elle a l'air trop belle. Pour l'instant, je suis pas du tout déçue du tissu. Ouais, même la couleur, elle est canon.
J'aime bien, ça change un peu. Parce que ça me va le vert. Ouais, ça a l'air de m'aller. On verra une fois portée. Mais elle a l'air super belle en tout cas. Oh, c'est lourd ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ensuite, je sais pas du tout ce que c'est. Hein. Maillot de bain, non? Je sais pas. Déjà, ça a la texture comme un maillot de bain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un pareo. Ah, c'est un pareo long. C'est un pareo long. Parce que tu sais, j'en avais un court comme mamie m'a acheté. Mais la texture, rien à voir, touche la texture. Texture maillot de bain. Parce que celui que mamie m'a acheté, et en fait c'est un long, en fait c'est un pareo qui fait effet cache-cœur, je vous montrerai dans le try-on, et qui est long en fait, il est long jusqu'au pied. Et j'en voulais un long parce que de temps en temps j'aime bien avoir des trucs longs sur moi et pas courts. Mais après c'est vrai que quand on est à la plage, souvent on aime bien être court. Ouais, une fois qu'on est bronzé et tout, on aime bien avoir des trucs courts. À essayer. Ensuite, j'ai pris du blanc. C'est bizarre que j'ai pris du blanc. J'ai commandé une petite robe qui a l'air toute belle mais transparente. Ah, mais c'est pour mettre sur le maillot de bain. J'ai commandé que des pareos alors que j'ai fini les vacances. Elle est belle. Regardez. Tout en dentelle. Et en fait, c'est long comme ça, tout en transparent. Elle est belle celle-là. Elle est trop belle. Même les manches. Ah, c'est trop beau ça. Ah ouais, ça c'est beau. J'ai eu peur, je me suis dit putain c'est une robe mais elle est transparente. Mais en fait non, c'est pour mettre sur le maillot de bain. Logiquement. Bon après vous pouvez vous mettre ça sur un jean, hein. Un jean noir, un jean blanc. Ou un leggings. Ouais ouais. Moi je vais vous laisser avec un leggings évidemment. Je vais pas vous laisser avec le maillot de bain. Vous avez pas besoin de voir mes jambes, hein. Je vois, hein, bande de coquinous que vous êtes, hein. Je vous vois, hein. Ah, j'ai commandé des chaussures, c'est vrai. Après les vacances, ouais, j'ai commandé deux paires de chaussures. Il y en a deux, hein. Ouais, j'ai commandé, ben les vêtements c'est fini et j'ai commandé deux paires de chaussures. Est-ce que tu crois qu'elles sont belles? Oui, elles sont belles pour moi. Ouais, elles ont l'air super belles, regardez. J'ai commandé la petite paire de claquettes comme ceci avec le tour de pied qui fait un effet. Ah, en plus, ça s'accroche nickel, quoi. Ça s'accroche comme ça. Elles sont super jolies. Voilà, un effet un petit peu chaîne de pied, quoi. Elles sont belles, hein. Avoir porté. Moi, j'essaye. Vas-y. C'est mon gros pied de mort. Oui, mais il faut enlever la chaussette. Hein. Et la deuxième paire. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah. Et la deuxième paire de chaussures que j'ai commandée. Ah ouais, celle-là, je les voulais aussi. Ne rigolez pas, j'ai commandé cette paire de chaussures. Oh, je rigole. Je sais pas. Ah, elles ont l'air belles. Attendez, je vais les essayer de suite. J'espère que ça ne me fera pas mal aux pieds. Ah, elles sont belles. Bon, faut pas regarder mon pied qui est pas verni. J'ai un pied trop grand, trop petit pour cette chaussure. Elles sont belles, mais par contre, c'est un 39. Pourquoi je... Ouais, c'est un 39. Pourquoi j'ai pas le pied au bout? Montre. Ah, si. Elles sont pile, par contre. Hein. Montre. Les piles, elles sont petites, toi. Elles sont petites? Ouais. Parce que je suis assise. Vas-y, mets-toi. Par contre, prenez une taille au-dessus parce que, ouais, j'ai l'impression qu'elles sont petites. Montre. Là, ouais. Quand j'ai le pied. Non? Et je vois pas, j'ai le carton devant. Non, regarde, quand j'ai le pied par terre, ça va, non? Ah oui, ça va. Non, ça bon, va, mais je pense une taille au-dessus. Mais elles sont belles. Elles ont pas l'air de me faire mal aux pieds. À voir. Mais elles sont super belles. Comment tu marches avec ça, ton pied? Fais voir, toi, le pied. Merde, attends, j'ai dû faire un truc. Attendez, je vais ranger mon bordel pendant un instant. Ouais, on a plus de vernis sur les orteils parce qu'à la mer, tout le vernis est parti. Je vois pas. Ouais. Est-ce que ça tient quand tu marches? Ouais, mais t'as ton bracelet là, du coup, avec ton bracelet. Mais avance-toi un petit peu. Mais je peux pas. Tenez. Allez. Ah, mon avocat partout. Regardez. Capture d'écran comme ça. Ça va pas. Si, elles sont belles quand même. Si, si, elles sont belles. Ouais. Est-ce que t'arrives à marcher avec? Je sais pas. Merde, on va voir mon cul là, non? Non, tu vois pas. Bah oui, on a rien marché. Ouais. Elles sont jolies, hein. Moi, je vous mets tous les liens en barre d'infos. En tout cas, ah, moi je suis contente avec mes chaussures. Sauf que je suis dégoûtée, j'aurais dû prendre la taille au-dessus. Mais elles sont belles. Oh, quoi? J'ai le pied qui sort ici.
Ah, mais je vous dis, prenez une taille au-dessus par contre. Ouais, prenez une taille au-dessus. Moi, j'ai des pieds plus beaux. Elles sont à l'aise, elles sont confortables. Hein? Ouais. Ils font pas mal aux pieds. Est-ce que t'as le pied qui Qu'est-ce sort Qu'est-ce que c'est que ces orteils au bout là? Heureusement que c'était court. Regarde les orteils, comment ils font, je veux des saucisses. Mais par contre, toi, ça te va pas. Toi, t'as des vilains pieds, toi. Non, moi, j'ai des beaux pieds. Ils sont plus beaux que les. T'as vu les tiens? On dirait les pieds des Grimlims là. C'est Hulk, il a les mêmes orteils que toi, tu parles de moi. Pourquoi Hulk, il a des gros pieds? Mais parce qu'il a des gros orteils, il est gros. Bon, voilà, ça c'est dit. Bon, voilà, je vous. Voilà, moi, je suis assez satisfaite du site. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, ça va. Elle est jalouse parce qu'elle a pas reçu. Elle ouais. est jalouse, j'en suis sûre. Elle aimerait bien essayer mes habits aussi. Elle me regarde bizarre, ça veut dire oui ça. Bon, mais je vous mets tous les liens en barre d'infos. Voilà, c'était pas prévu ce lookbook, donc j'étais même pas préparée. Je vous mets, je vous ai fait ça avec ma tête du. Je ne suis pas censée sortir, mais je suis sortie quand même. Alors je me suis habillée à l'arrache. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous avez préféré. Et dites-moi si ça me va, parce qu'une fois que vous aurez vu le try-on, peut-être que vous allez changer d'avis. Mais je suis très satisfaite, la qualité elle est bien. La qualité est bien, après avoir si la jupe noire est transparente ou pas. Mais je pense que ça va le faire. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt, bye bye.